Bonjour, merci à la presse qui est présente en grand nombre et merci à tous nos confrères qui sont ensemble avec nous pour nous lancer un gros événement ça, qui est Boxing Night qui a réalisé demain 28 novembre dans Jojo Restaurant. Alors moi je représente Passion Tour Événement. Passion Tour Événement surtout chargé de questions événementielles dans l'activité. Donc c'est nous-mêmes qui sommes dans la question décor, qui sommes dans la question beauté. Question événement, c'est Passion Tour Événement qui gère ça. Mais au niveau de technicité, c'est Fédération qui a géré ça. Et puis, il faut dire que l'idée boxing est venue de King Matahous et elle est venue coiffée après par Zamonolte et Passion Tour Événement. Elle est capable de dire tout support là, nous venons de joindre la Fédération de boxeurs parce que c'est les mêmes qui gagnent tout boxeur amateur dans le pays qui est capable de dire que c'est les mêmes qui ont nos possibilités tout bon vrai pour nous capable de réaliser. Événement si là. Donc, m'a quitté le choix place à Zamor et à Matahous pour parler plus de événements de boxe. Et puis après, on a banou line-up là qui est à pied demain dans Jojo Restaurant. M'a dit à tout, merci à tous les journalistes qui sont déplacés pour la conférence de presse là. Bon, boxing, j'en nous dis, c'est une soirée de boxe qui a fait le 28 novembre dans Jojo Restaurant. Lui, c'est garder comment nous promouvoir la boxe. Et société de boxe et boxe, boxing, là, nous qui départons avec Zamonolte et puis Fédération haïtienne de boxe amateur. Et je pense que Zamonolte qui sont associés, m'a passé la balle là à lui-même pour parler de boxing. Bon, je remercie nous-mêmes qui la place. Pas place, monsieur. Je remercie nous, la presse, nous tous qui là, qui nous supportent le mouvement. Et Boxing Night, c'est un mouvement jeune. Parce que le monde sans sport, c'est un monde qui manque un paquet de bagailles. Bon, nous, quand là, nous fascinons avec le sport. Les soirées Boxing Night, là, sont soirées côté nous voulons promouvoir boxe d'abord. Et puis tout le monde qui aime le sport en Haïti. Au juste, et pour nous-mêmes, au départ, nous avons fait tout possible nous, pour tout le bagaille bien passé. Et que pour tout le monde qui aime le boxe, il y a une province qui a un spectacle qui est au tard, qui a mérité. Et que ce match est très rare. En tout cas, je remercie nous et que m'invite nous tous qui là viennent supporter nous. Merci un peu. C'est premier édition. Bon oui, c'est premier édition. Pas la question. Excusez-moi, après on a posé question parce que le président avait dit deux mots. Bon, on a dit bonjour à tout le monde qui est là. Et la presse en général, et parler, écrit et télévisé. Et puis nous tous qui sont sur les réseaux sociaux. Je remercie avant tout les trois jeunes que nous gagnons qui viennent autour de la fédération, hein, qui c'est le Passion Tour, qui c'est Zamonolte et King Matahous. Le cadre pour nous organiser et un événement que le Boxing Night. Boxing Night qui a gagné 10 athlètes là-dedans. Qui les, ce sont des pugilistes qui gagnent pile les qualités de carrière qui pourraient permettre que. Demain soir, que nous-mêmes nous assister avec une belle soirée dans ça que les nobles A là. Et c'est une belle bagaille que lié le à l'âge moins, que m'entourer avec des jeunes qui viennent des passions et qui voulaient aider fédération hein, organiser des entertainments. Et fédération lui-même, nous connaît que travail de développement et de technique, ça c'est responsabilité par nous. Organiser événement yo. Nous avons toujours pris des firmes pour organiser événement yo. C'est vrai que nous pouvons gagner un partenariat avec l'équipe Sayo. Mais c'est une équipe qui est très ambitieuse. Que je pense que la fédération, hein, à l'avenir, a signé un partenariat ensemble avec eux pour nous permettre que boxe avance. Parce qu'il est arrivé des moments que la fédération n'a pas de possibilité et pour organiser des soirées pendant ce temps boxeur a entraîné. Mais avec Jeune Sayo, que nous venons de jouer là. Et c'est travail par eux, parce que tous les mêmes qui ont des partenaires, Zamor ainsi que King. Et je pense que la permettre que nous organiser en pile soirée. Et c'est vrai que demain, et nous avons espéré que l'insécurité qui a frappé très fort dans le pays n'a pas empêché Mounio de venir garder, parce que nous avons en compétition de 7 à 11 heures, et jusqu'à 11h30. Nous avons souhaité que l'insécurité n'ait pas privé nous de. Spectateurs et qui viennent garder et gros match. C'est vrai que nous avons de gros affiches. Et tant que Sonia No Junior
et qui c'est un champion d'Haïti et qui remporte un pile médaille pour Haïti dans le boxe amateur là, et qui pourrait faire un match semi-pro. Et semi-pro, c'est vrai que dans le boxe amateur, mais nos statutaires nous permettent que nous puissions organiser des semi-professionnels de 4 rounds. Et nous pourrions joindre face à Sonito, qui est en 81 kg, nous pourrions joindre Jean Cataloni. Nous gagnons pour nous joindre avec Anna Pierre et qui gagne pour le Goumbe avec Pacquiao. Ça, c'est non artistique. Et c'est l'autre. Nous gagnons pour nous joindre Johnny Marcelin et qui pourrait gagner en face de qui c'est Jean-Bernard Bélisère. Nous gagnons pour nous joindre Jameson Dolus qui gagne pour lui en face de c'est Rémi Félizier. Après ça, nous avons gagné Lionel Michaud face à Anderson. Et je pense que c'est 5 belles affiches que, qui permettent qu'on monte dans la soirée ça et venir garder qualité pour gilistique ça. M'espérer que soirée a, et son soirée a réussi de façon que pour le cas permettre que jeune ça continue l'événement ça que même yo entré là dedans mais qui porteur d'espoir hein. Ce sont des événements qui porteur d'espoir et m'espérer que y a jeune des monde capable accompagner surtout la presse et depuis la presse là c'est que bah a fait image a vendre et la cas permettre que jeune ça jeune d'autres partenaires pour nous faire d'autres événements dans le pays ensemble avec eux. Ok. Ah, juste avant que nous passions à la phase question, je me rappelle que Boxing Night, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas un tournoi, c'est une soirée de boxe. Son gala. En dedans, oui, nous avons dit ça comme ça. Il y a gagné 5 matchs, il y a gagné 2 matchs en semi-professionnel et puis il y a gagné 3 matchs au niveau amateur. Donc, il a démarré à 7h, nous devons terminer à 11h. Et... Si tu me permets. Si tu me permets, c'est bon. Et bon pour ton correction. Parce que dans la boxe professionnelle, il y a semi-professionnel, mais normalement, le cadre semi-pro que nous prenons l'entrée, c'est le cadre WSB, que le statut par nous permet que nous organiser semi-pro ça, et l'on bagaille que le World Series Boxing, que je des athlètes amateurs qui ont évolué en 4 rounds, mais qui ont toujours été amateurs. À partir de 6 matchs semi-pro, il n'y a pas continuer l'amateuriste encore. L'obligé de passer dans le professionnel là, même si le cas fait des matchs de 4 rounds. Et semi, mais c'est dans le cadre professionnel que la protéponiale n'a pas retourné à l'amateur encore. Pas nous, il est long terme bien précis. Semi pour pas nous, c'est dans le WSB, World Series Boxing. Ok. Et non, soyez ça à part de 5 matchs que nous avons gagné, DJ Kemisa, qui est là pour assurer l'animation musicale. Nous avons gagné B-Mix Tour ainsi que Africain. Donc, je me disais tout à l'heure, ce soir, il a commencé à 7h pour terminer à 11h dans Jojo Restaurant et Kishita dans Pétionville. Donc, pour, bon, pas la peine de vous parler d'admission, mais quand même, c'est 1000 gouttes, ok? Et pour question, il est vrai que dernier temps, ça, nous vivons Haïti, côté insécurité à prégnant, mais pour soirée, nous avons pris disposition, nous avons déposé. Il y a une requête à la commissariat de Pétionville pour nous assister par PNH, agent PNH. Là. Et en dedans tout, nous avons à notre disposition pour nous avoir des agents qui assurent la sécurité pour ensemble, nous avons pour faire déplacement pour venir vivre l'événement. Si et Boxing Night, il est réalisé non seulement dans le but pour promouvoir boxe haïtienne dans tout et boxe haïtienne, là, mais pour encourager ensemble des jeunes qui choisissent. Et parce que faut nous souligner que en pile boxeur c'est Mounio qui sorti dans le quartier défavorisé. Donc les jeunes ont choisi de pratiquer une discipline sportive qui c'est boxe, ok, pour au lieu que les kembe en disant zam ou sinon alpha n'importe bagaille. Donc l'important pour encourager les jeunes ça, jeunes chaque jour qui joue qui toujours levé travail kembe yon on dit kembe encore d'athlète. Et puis, quel mon régime strict, ok, pour capable de continuer à pratiquer la discipline sportive, ça, qui c'est boxe en Haïti. Donc là, et rapide, vite, on a laissé place avec nous-mêmes pour toutes questions que nous avons gagné pour nous poser, soit à King Matarous, ou Zaman Nolte, ou Pierre Daniel, ou encore James Le Génie, qui est représenté par son tour et événement. Bon, nous avons une soirée, c'est légal à Saint-Michel, c'est la capitale. Est-ce que nous avons des organisations, des débats et des fonds qui mettent des fonds à la disposition pour nous réaliser ça? Bon, bien sûr, bien sûr. Et bon, écoute, c'est vrai,
mais en même temps, nous avons plusieurs partenaires, bon, pas des partenaires, mais des gens qui supportent nous, qui campent avec nous pour faire sa fête. Par exemple, je remercie bon, Yvette Lacaille, je remercie Storm TV, je remercie tout même le Tamar qui a affiché à Jojo Show, je remercie Claire Lacaille, Jojo Restaurant, Toto Beat, et il y a Gloria Catherine et pas Madame Maggie Dussé. Bon, on t'a d'autres encore. Stéphanie, Madame Stéphanie, tout qui s'est mis au restaurant. C'est tout le monde qui met ensemble avec nous. Et pour nous réaliser une superbe soirée, ça que nous parlons de nous samedi. C'est-à-dire, nous parlons plus. Vous avez une carte ici, dans le Fitness Gym. Vous avez une Radio Melody FM. Vous avez une Jojo Restaurant et puis une Gamebox. Pour ça, contactez n'importe qui nous là et on a une carte disponible. Au fond, disons que c'est une soirée qui va être vraiment intéressante. Non seulement Gamebox, et un slogan nous dit c'est Pral Gamebox demain dans Jojo Restaurant. Et j'ai déjà invité la presse pour faire de soirée ça, une soirée extraordinaire pour nous. On nous fait l'ensemble, donc nous sommes contents de voir les amis la presse qui est là, qui parle de nous pousser l'activité. Et bien, invitez-nous tout pour nous là demain dans une belle activité ça, pour nous couvrir et venir assister. Venir avec madame nous, ménage nous, et les amis nous, famille nous, pour venir assister et événement ça ensemble. Et si vous avez nous qui intéressé pour l'autre monde venir, ouais avec nous après, pour nous participer à une belle activité ça. Est-ce que nous comprenons sur l'état de santé de boxeur? Bon, pratiquement, et tout boxeur qui est prêt à compétitionner là, dans le gala, hein, et c'est presque des boxeurs de sélection nationale et qui a préparé les Jeux Olympiques. Tout. Et ça permet tout. Et pour nous évaluer la compétition ça. Et si bien mettre tout, m'a tout fait nous connaître tout. Et nous avons une série d'événements, même si avec des films différents, à part de et pas tout rêve que nous avons organisé ça et 28 en parlant de demain. Le 5 décembre tout, lancé intéresse la santé récréative de sportif de toujours à tout. Nous avons un événement tout et de boxe et là-dedans. Et c'est vrai que c'est... Nous parlons de plusieurs compétitions que nous pouvons organiser avec Film Zayo et sous l'année, et au moins deux fois par mois pour permettre que nous mettions en jambes athlètes nous qui ont préparé au paquet de compétitions. Dans le cadre de santé, les athlètes sont à point. Et surtout, moi dis nous, la plupart des athlètes qui peuvent participer dans la soirée, ça, ce sont des athlètes qui ont préparé les Jeux Olympiques 2020. Parce que toujours qu'il y a 2020, hein, même si c'est 2021. Il y a toujours qu'un bel Jeux Olympiques 2020 qui gagne, même si la fête en 2021 qui gagne pour fête à Tokyo. Athlète Sayo, c'est athlète de sélection nationale. 80% là-dedans. Ok, et donc, si vous avez une autre question, Marlène, vous avez une autre question? Bon, ok, si vous avez une autre question, la première, c'est. Un remerciement spécial pour M. Jojo Loke. C'est un nègre, même l'entraîneur projet un peu en retard, qui supporte nous un peu. M. Jojo Loke, ainsi que Vaxon Belloni, qui m'a précisé tout à l'heure dans le sponsor. Un remerciement spécial à Jojo Loke. Donc, je remercie tous les amis de la presse qui ont fait déplacement pour venir assister à la conférence de presse. Et rapide, vite, je vais vous connaître que nous avons bien mis là. Et bon, l'idée est nous avons joué avec lui. Les mêmes qui ont pour remettre avec chacun de nous, ils ont été valables pour deux, pour nous capables d'assister à la soirée de boxe qui a fait demain, le 28 novembre, dans Jojo Restaurant, Pétionville, à compter de 7h. Donc, merci, encore une fois, merci. Et nous souhaitons que l'information pour le partager et plus pour être capable au courant de soir ça que nous avons réalisé demain l'objectif pour non seulement promouvoir boxe haïtienne mais tout pour encourager tous les jeunes qui choisissent pratiquer discipline sportive.